Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente cette mini console Atari, donc Atari Mini Arcade de Blaze. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une mini console qui contient plusieurs jeux. Donc il y a 12 jeux hein, dedans, dont Pong. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez... Non, en fait. C'est vraiment pour les nostalgiques. Comme je viens de préciser. Voilà. Donc, on met les piles ici. Ici, on peut régler le son. On peut mettre un casque. Donc là, on peut même jouer à deux. Donc, ils ont vraiment pas mal fait leur truc. Hein. Ça, là-dessus, c'est vraiment bien fait. Donc là, on a le bouton Play qui va nous permettre de jouer. Maintenant, je vais vous montrer, hein, on va zoomer dessus, ça va être un peu plus simple. Ça, vous allez voir tout ce que, bah, tout ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, donc là, je vais allumer ici. Donc, comme vous pouvez voir, on a le petit logo Atari. Hein. Donc là, on a les différents jeux. Donc, hop, je vous les montre. Donc, je peux changer d'écran. Donc, si vous regardez, hein, c'est des jeux Atari 2600. Donc là, hop. Voilà, donc là, je vais mettre Pong. Donc voilà, il apparaît tout de suite. Donc là, je peux choisir entre 1 et 2 joueurs. Donc, hop, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre là. Donc là, je joue contre l'ordi. Si j'avais mis deux joueurs, j'aurais pu utiliser l'autre manette. Là, comme vous pouvez voir, je tourne pour bouger. Voilà. Donc là, je peux revenir au menu. Je peux essayer un autre jeu. Là, c'est un tout petit peu plus long. Il y a plus de graphisme, mais il y a de la couleur. Voilà, start. Et là, je vais appuyer sur le bouton CA. Voilà, donc c'est des jeux hein, avec un minimum de graphisme. Donc c'est des jeux d'époque. Hein. Voilà. Hop, je vais vous en montrer encore quelques autres. Donc je vais pas tout vous les montrer, comme si vous les connaissez déjà, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Hop. Oups. Ah mince. Allez, je vous en montre un autre. Ah, un jeu de voiture. Le but c'est d'éviter de me faire écraser. Voilà. C'est un autre. Hop. Allez, je vais essayer celui-là. Hop. Hop. Bon, des fois c'est un peu délicat. Surtout là, dans la position où je suis. Donc le but, hein, c'est de détruire hein, le reste du château. Je vous remontre la machine. Donc là, on off. Hein. Donc, pour jouer à deux. Serve. Donc, preset, select, start. Et je vais montrer tout à l'heure hein, pour le son. Les piles. Donc c'est quatre piles hein, qu'il faut. Voilà. Il est aussi possible de connecter une prise micro USB pour l'alimenter, si vous n'avez pas de pile.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, c'est une simple petite console de jeu. Il n'y a pas de prouesse technique hein, à voir. C'est drôle, c'est sympa. Pour Noël, ben, vu qu'on est en fin novembre, ça peut être aussi intéressant si vous connaissez un geek. Bon, sinon, vous avez une autre version. Hein. Celle-là, elle est un peu mieux. Parce que c'est l'original. Hein, donc voilà, pour Pong, ça peut être un peu mieux. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ça, c'est fun, ça, c'est encore plus fun, mais il faut avoir encore les bonnes prises et compagnie. Voilà, ben, n'hésitez pas à poser vos questions, likez, partagez, je vous dis à la prochaine!